Bah, c'est vrai qu'on a ramené un point de Lille, c'est déjà bien, même si on pouvait, je pense, c'était difficile, mais on pouvait revenir avec les 3 points. On prend ce but en fin de match et voilà, faut continuer à travailler. Bah, je pense que malgré c'était déjà un objectif, la coupe pour nous, d'aller le plus loin possible et même en championnat, je pense que c'est pas fini, il nous reste encore 5 matchs et voilà, tout est possible. Franchement, chaque année après la coupe, c'est il y a un peu tout dans la Coupe de France, hein. C'est ce qui fait son charme et voilà, chaque année on essaye d'aller le plus loin possible. Là, on est en quart de finale. On va jouer contre une belle équipe demain et le but c'est de passer au prochain tour. Bah, comme je dis, c'est la Coupe de France, hein. Tous les matchs sont difficiles, qu'on joue contre une N2, N3 ou nationale ou bien même Ligue 2 ou Ligue 1, c'est un tout autre match et voilà, ça c'est compliqué, je pense. Non, je pense que la préparation elle change pas. Après, voilà, on va essayer de faire le travail et de passer au prochain tour. Bah, déjà, je pense que tous les matchs faut les jouer, faut pas regarder l'adversaire. Je pense qu'il faut jouer comme on a l'habitude de jouer. Et c'est vrai que Canet c'est une bonne équipe, ils ont sorti des grosses équipes et s'ils sont arrivés en quart de finale, c'est pas pour rien, je pense. Oui, je pense on a tous vu les vidéos et on voit qu'il y a des bons joueurs, ça joue et voilà, ça fait partie du jeu. Vous avez vu qu'il y a un tireur de coup franc aussi en face. Ouais, c'est vrai qu'il y a un joli tireur de coup franc et j'espère qu'il n'aura pas l'opportunité de nous en mettre. Bah, c'est vrai que les coups de pied arrêtés chez nous, c'est un atout important pour nous. On l'a vu au tour précédent avec Flo qui nous rapporte les points avec ce magnifique coup franc et voilà, c'est bien pour nous. Non, je pense pas. Je pense que comme nous on aime bien, c'est quelque chose qu'on aime bien, moi, que ce soit moi, Mollet, Savanier. Donc voilà, si. S'il y en a un qui met, je pense que l'autre est content pour lui et ainsi de suite. Franchement, il y a un bon duel hein, entre Savanier, Mollet et moi. Et je Donc, suis du jeu. non, moi même, je suis dedans, je pense, je suis dedans. On est trois, il y a trois, on est trois à pouvoir tirer. Et voilà, je pense que on a des bons tireurs. Bien sûr, tout trophée fait rêver, hein, c'est voilà, en plus il n'y a plus la Coupe de la Ligue, maintenant il n'y a que deux compétitions en France. Et voilà, ça ferait du bien de gagner un titre, pourquoi pas avec Montpellier. Idéal, je sais pas, après c'est sûr que c'est une bonne chose, hein, parce que comme je dis, la Coupe de France c'est une compétition où toute équipe peut remporter le match. Et voilà, je pense que nous on a l'équipe pour aller le plus loin possible et c'est ce qu'on va essayer de faire. Bah, c'est sûr qu'on discute, hein, que ce soit avec le président, on en discute et pour l'instant il y a. Voilà, je pense que la situation financière aussi du club ça qui est un peu compliquée, donc je pense qu'on verra d'ici la fin de saison. Bah, le mieux placé c'est le premier, je pense. Parce que voilà, les premiers ils ont le plus de points. C'est-à-dire Lille. Après, c'est vrai que ça va être une grosse bataille. Dans la fin de saison et voilà, c'est beau à voir. Bah, c'est vrai que c'est difficile pour nous. Pedro c'est un super mec qui bosse beaucoup et voilà, il revenait bien et voilà, ça tombe au mauvais moment pour lui et voilà, on va le soutenir, on va l'accompagner dans cette épreuve qui est difficile. Ça a été impressionnant sur le terrain. Bah, moi d'autant plus j'étais juste à côté. Donc ouais, c'est vrai que le voir crier comme ça fait peur et on a tout de suite su que c'était grave. Parce que je pense que c'est pas un mec qui joue la comédie et malheureusement ça fait partie du football.